Oui, le plan déjà était parfait, mais quand il y a un arbitrage comme ça, tu ne peux rien faire. À chaque contact, à chaque faute, c'était contre le Burkina. Même les adversaires, ils ont reconnu sur le terrain, il y a plusieurs joueurs qui nous ont dit que l'arbitre, il abuse. Et même le coach de la Côte d'Ivoire nous a dit que ce n'y avait pas faute. Comment on peut jouer contre les Ivoiriens et contre l'arbitre? Ce n'est pas possible. C'est très, très, c'est décevant ce soir. On a fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'on méritait mieux. Mais voilà, c'est quelqu'un, un match amical. Mais ce soir, l'arbitre, il gâte le match. Beaucoup de déceptions sur la fin du match. Mais en réalité, bon, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est quand même une grande nation de football. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un coup de pouce de l'arbitre pour pouvoir battre un pays comme le Burkina. Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire aussi. À mon avis, il n'y avait pas faute. J'ai beaucoup discuté avec l'entraîneur de la Côte d'Ivoire qui m'a dit on est du même avis. Sur l'action du but, il n'y a pas faute. Mais bon, on ne va pas faire un tapage là-dessus. Bravo aux Ivoiriens qui ont fait un bon match. Bravo aux Italiens aussi. Je pense qu'on est dans une bonne marge de progression. À nous de travailler encore pour arriver à ce niveau-là. À la mi-temps, je l'avais souligné aux joueurs en disant qu'il va falloir faire très gaffe aux coups de pied arrêtés. Je pense que c'est le coup de pied arrêté qui a été salvatrice contre nous. Parce que le premier but, c'est un coup franc excentré. Le deuxième but, c'est un coup franc axial. Donc on a eu des difficultés surtout sur le coup de pied arrêté, à savoir le corner et le coup franc. Et malheureusement, on prend deux buts sur deux coups de pied arrêtés. Je pense que c'est, comment dirais-je, c'est apprendre avec philosophie, voilà, apprendre des erreurs que j'ai commises et continuer à aller de l'avant, travailler pour être un top gardien. Ouais, ça fait très mal, ça fait très mal. Surtout que voilà, on a fait tant d'efforts pour mériter un bon résultat et sur un coup de pied arrêté, on perd le match. C'est dommage, mais bon. Comme c'est la préparation, on va prendre, comme je l'ai dit, on va prendre ça avec philosophie, comme c'est la préparation et espérer faire mieux lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. J'ai pris le but côté ouvert. Voilà, ça arrive, voilà, il faut, comme je l'ai dit, il faut prendre ça avec philosophie. Prochainement, je ferai tout pour ne pas prendre le but là.